j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Nana Decom Live. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à activer la petite cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour les anciens, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes vraiment génial. Mouah, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un kitchen tour. Enfin, je ne sais pas si c'est un kitchen tour, mais on se retrouve pour ma vidéo de cuisine. Je n'étais pas prête du tout, les filles. En fait, je ne suis toujours pas prête pour cette vidéo. Mais je n'arrête pas de recevoir vos demandes. Nana, quand est-ce que tu vas nous faire un kitchen tour? Quand est-ce que tu vas nous faire une routine ménage de ta cuisine? Les filles, j'ai cédé. J'ai cédé à cause de vos demandes parce que normalement, ma cuisine n'est totalement pas finie. Il manque encore une section, il manque une colonne. Je vous montrerai tout à l'heure de quoi je parle. Et je voulais aussi rajouter 2-3 petits détails pour vraiment qu'elle soit complète. Et là, je pourrais vous faire un kitchen tour officiel. Mais vous êtes tellement impatients, les filles. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je sais dans vos demandes finalement. Alors, je me suis dit, je vais quand même vous faire... on va faire un aperçu. Voilà, on va faire un aperçu de ma cuisine actuelle. Comme ça, une fois qu'elle sera terminée, elle sera totalement terminée. Là, je vais revenir pour faire un kitchen tour officiel parce qu'il me faut encore 2-3 détails. En plus de la section, de la colonne qui manque, je vous montrerai comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il me faut encore 2-3 petits détails. Je voulais rajouter des chaises hautes. Je voulais rajouter 2-3 petits bricoles pour vraiment qu'elles soient jolies à mon goût. Mais vous êtes tellement impatiente. J'ai cédé. On va faire ça. On va survoler la cuisine, on va faire un aperçu et après, une fois qu'elle sera terminée, on reviendra pour faire une nouvelle vidéo kitchen tour officielle. Alors ce que je veux faire, je crois, je vais vous mettre ma cuisine comme elle était avant. Celles qui me suivent depuis un certain moment, vous savez déjà comment ma cuisine était avant. Donc je vais quand même vous mettre une petite vidéo de ma cuisine d'avant et ensuite si je retrouve les vidéos pendant les travaux, je vous mettrai aussi ces vidéos là et après on va vite faire un tour de ma cuisine actuelle. Donc voilà, mais juste avant de commencer, je vais vite vider ma lave vaisselle et ensuite on va démarrer. Donc voilà. Thank you.
là dans cette armoire, c'est vraiment un arrangement temporaire parce que l'huile et les vinaigres et tout ça, ça devrait pas se retrouver là. Ça devrait être normalement dans la colonne qui manque. Donc là, je l'ai mis vraiment temporaire avec les oignons. Une fois que la cuisine sera terminée, et là vraiment je ferai mon arrangement définitif. Donc voilà. Donc quand je vous disais il y a une colonne qui manque, c'est vraiment juste ici. Donc vous voyez, la cuisine elle s'arrête juste à la hotte et la cuisinière. Donc là il y a déjà les carrelages qui ont été déjà posés. Donc il manque juste les armoires pour vraiment mettre la cuisinière au milieu de deux meubles et non côte à côte avec mon frigo. Donc je vais essayer de pousser en fait le frigo pour vous montrer en fait de quoi je parle. Donc voilà ce que je vous disais les filles, il y a déjà les carrelages qui sont posés. Il manque juste la colonne de haut en bas pour bien mettre vraiment la hotte et la cuisinière au milieu de deux meubles. Donc ça serait à la même hauteur que ces deux placards qui sont ici. Donc ça serait vraiment pour bien encadrer la cuisinière. Donc c'est ce que je vous disais, une fois que tout ça, ça serait terminé, je reviendrai vraiment pour vous faire un kitchen tour officiel. Et là, je vous parlerai de mon arrangement et de mon organisation de ma cuisine vraiment en détail. Je montrerai mes placards en détail. Voilà, voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus. Les filles, lâchez-moi des pouces bleus. Et sinon, je vous dis à très bientôt. On se retrouve prochainement dans une vidéo comment décorer sa table de salle à manger. Pas avec les assiettes, hein. C'est que j'ai l'habitude de faire les assiettes et tout. Non, là, vraiment, ça serait le centre de table de salle à manger. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!